Bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 13ème épisode sur le Let's Play de God of War 3. Dans l'épisode précédent, on a récupéré des coffres dans l'atelier de Dédale. Et ensuite, on a traversé le labyrinthe où on a tué Hera. Et maintenant, on va avancer un petit peu. En off, je vous avais dit que j'ai récupéré des coffres manquants dans le labyrinthe de Dédale. Donc il y avait une corne et un œil de Gorgone. Donc là, c'est pour ça que j'ai un peu plus de vie. Donc on va avancer un petit peu. Je suis désolé pour la longueur de l'épisode précédent aussi. Et je crois que j'ai amélioré mes armes aussi, mes griffes. Qui sont assez puissantes, qui font pas mal de dégâts. Et que les griffes là sont pas mal. Ça me plaît bien. Il faut combien pour les améliorer au niveau max? Ah bah non, ils sont déjà au... Non, ça c'est les lames. Il me faut 8000. Non, y'a rien. C'est assez bizarre, peut-être qu'il y aura un truc à faire. Je vais être sûr qu'il n'y a rien derrière moi. Ouais, ça je le sais, hein, je l'utilise pas mal. Et en fait, ça me concentre beaucoup plus sur ceux qui sont au fond plutôt que sur ceux qui sont juste sur les côtés. Là-bas, il y a des coffres, peut-être un œil. Le cœur du labyrinthe tient en équilibre sur la grande chaîne entre les enfers et l'Olympe. Si l'un d'entre lâche, le pouvoir qui se trouve dans le labyrinthe basculera à l'équilibre, sera modifié à jamais.
Comme toujours, l'homme sera emporté dans son sillage. Dédale, jour 3674. Ok, Dédale. Voilà, il y a un petit coffre qui me sert pas à grand chose vu que j'ai toute ma vie. Et là, ça sent quand même le combat, je pense. Les cavernes. Le cadeau d'Hadès, le feu liquide, c'est ce qui vient en premier. Ensuite, il y a le cadeau de Borias, la tempête de glace. Cela me donnera le pouvoir de ramener mon fils à mes côtés. Mal. Une petite corne de Minotaure, mais je pense qu'il va m'en manquer une. Puis ça, c'est un œil, mais je pense que j'en ai raté aussi. Là, on va se soigner. Faire une petite sauvegarde. Ouais, le 18.
entrée du journal. Zeus se trouve en permanence au-dessus de mon épaule. Même lorsqu'il n'est pas là, je ressens sa présence. Le cœur du labyrinthe sera à la fois un verrou et une clé. Les juges d'Hadès seront le dernier loquet. Mais si mon fils ne m'est pas rendu, je ne promets que destruction et chaos. Dédale, jour 3287. Alors, il y a peut-être un truc à faire. Ok. C'est bizarre que ça ne l'ait pas activé avec le... avec le flash. Déjà, on va améliorer les griffes. Enfin, le fouet plutôt. Parce que je dis les griffes, mais. Ah, ça dure quand même pas mal de temps. Les expériences hydrauliques ont de nouveau échoué, ces rouages sont bien trop massifs pour les machines traditionnelles. J'espère que mon séjour aux enfers me permettra de découvrir une nouvelle source d'énergie. J'ai entendu parler d'un feu plus pur que n'importe quelle source mortelle. Chaque erreur m'éloigne de mon fils. Dédale, jour 275. On va regarder un peu ce qu'il me reste à améliorer comme arme. Les griffes d'Hadès. Et il doit me rester le point, voilà. Ceste d'ennemis. De toute façon, là, je pense qu'il faut que je plonge. Ah non. J'ai bien fait de regarder avant. Un peu toute la zone. Là il y a un truc, là il y a une cascade. Non. Non plus. Et donc on va activer le levier. L'intense chaleur se dégage de ce verrou mécanique, il est impossible d'activer pour le moment. D'accord. Jusque là ça va à peu près. Je trouve ça un petit peu trop calme par ici. Et ouais, on rigole plus, messieurs les scorpions. On va juste regarder si derrière y a rien. Non. Ok, faut que je grimpe là-haut. Il y a une porte. Thank you.
reprendre un peu de magie. J'ai perdu la tempête de glace de Boreas. Je voulais te l'offrir à mon fils. Mon fils aurait été le maître du labyrinthe. Les recherches se poursuivent, mais les scorpions sont de plus en plus épais. Je crains le pire. Dédale, joueur 4598. Je sais pas, je me dis qu'on va avoir un scorpion énorme à affronter. C'est pas des scorpions, c'était des méduses. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de petites méduses. Et je vous avoue que ça m'aurait arrangé de ne pas les revoir de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a par là? Un coffre. Oh, j'ai toutes les cornes. Mais il me manque toujours un œil. Donc vous, au niveau du let's play, il y aura juste une corne que vous auriez pas vue, qui est dans le labyrinthe de... enfin qui était dans le labyrinthe là juste avant, enfin dans l'épisode d'avant. Hop, je peux augmenter ma ceste de Némé. C'est bizarre le son qui sort de la manette comme ça. Perso, je suis pas très très fan de ça. De courant d'air chaud. J'ai toute ma vie, j'ai toute ma magie. Le labyrinthe, sa taille témoigne de la puissance des dieux pour lesquels il a été construit. Ses pièges cruels et fatals rappellent quant à eux les mortels qui l'ont construit. Ok. Il fait combien pour le prochain niveau? 5000. Bah ça sent le scorpion énorme. Il fallait s'en douter qu'il allait avoir des scorpions. Parce que il y avait le texte là qui disait que les scorpions devenaient de plus en plus épais et résistants. Aïe. Ouais, bon bah voilà. Comme j'ai dit, fallait s'en douter.
est-ce qu'il faut pas utiliser la ceste? Ouais, ok, c'est ça. Donc voilà, faut alterner les... Aïe. Je pense que je vais mourir. Mais arrête, et c'est là qu'on voit qu'en fait il faut améliorer un peu toutes les armes. Donne un peu de vie, monsieur le scorpion. On va récupérer juste un tout petit peu de vie. Oh bah je suis mort. Mais on a compris que déjà ça servait à rien de... Faire un côté. Aïe. Mais non, mais arrête! J'arrive pas à me protéger de son coup de dard. Je
Ok, d'accord, j'ai compris. Bon, par contre, maintenant... tu t'en vas ? Ok. Donc en fait, il faut que je lui casse ses pattes. Aïe. Faut que je lui casse ses pattes et que après je le massacre. Cache-toi en dessous. Non, c'est bon. Aïe. Changeons d'arme. Vas-y, esquive, tac. Non, là, voilà. Mince. Bon, j'aurais un peu de mal, mais on l'a tué. Tempête de glace, et Jem renferme le souffle glacé du vent du nord. Tu as trouvé la tempête de glace de Boreas. C'est la clé pour débloquer le labyrinthe. Je peux pas avoir un peu de vie, tout ça, ou... Non, j'ai pas le droit. Ok, donc ça va me permettre de monter un peu plus haut. Je vérifie qu'il n'y a rien. Ça aurait pu être cool un petit point de sauvegarde quand même. Heureusement que j'ai pas besoin des griffes d'Hadès pour le moment. 8000, ok. Et donc il faudra environ 20 000 pour avoir les griffes d'Hadès à fond derrière.
Mince. Mais non, mais vas-y. Y aller, merci. Et par contre, j'ai peut-être fait encore le poulet à activer le truc alors que je suis pas monté sur toutes les passerelles. Hop, ok, c'est de par là. On va aller faire une petite sauvegarde. Et on va s'arrêter là pour cet épisode, les amis. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur God of War 3. D'ici là, portez-vous bien.